Il y a 7 ans qu'on mène les combats sur les JO. On est les seuls avec une poignée de Tibétains à l'avoir fait. On se retrouve aujourd'hui, vous avez raison, à la, comment vous dire, porte-drapeau d'une contestation qui n'est pas exactement la nôtre. Aujourd'hui, on me demande mon avis sur des questions tibétaines, je n'y réponds jamais. Vous ne trouverez pas une déclaration de moi sur ça. Alors qu'on me cesse de me dire, et alors le Tibet tout, nous on ne s'occupe pas, attendez-moi, est-ce que je prends du Dalai Lama, ça, c'est autre chose. Je ne m'occupe pas du Dalai Lama. Le problème, c'est que les grandes organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas été présentes sur ce combat-là, et qu'on se retrouve avec des habits plus grands que nous. C'est tout, et vous croyez que ça ne nous pose pas des questions? Du coup, quand on essaye de profiter, entre guillemets, de cette notoriété mondiale pour parler de ce qui se passe, je sais pas, avant-hier, on faisait une conférence de presse avec la femme de Moussa Kaka qui est emprisonnée au Niger. Je ne vous ai pas vu venir sur le Niger vous intéresser à cet aspect du travail de reporters frontières. Ah ben alors je suis ravi vous, mais il n'y avait pas beaucoup de journalistes, vous avez remarqué. On n'est pas retrouvé comme quand on parle de la Chine où il y a 200 journalistes. Mais personne ne vous oblige à venir m'interroger ici. Il y a un responsable de la recherche, vous faites un portrait du responsable de la recherche de reporters frontières. Pourquoi vous faites le mien? Et quand moi je dis à des journalistes, à des médias, mais invitez quelqu'un d'autre. Ah non, c'est toi qu'on veut. Mais pourquoi? Il y a d'autres gens. Sur, moi, il y a des pays, si vous m'interrogez, mais ça devient un truc ubuesque. On m'interroge sur la Birmanie. Mais je dis, il y a un chercheur qui est spécialisé de la Birmanie. Mais c'est le fonctionnement des médias. Bien maintenant, vous pourriez refuser, dire que vous n'êtes pas disponible. Mais j'en refuse plein. J'en refuse plein. Et j'entends des chaînes de télévision me dire, ah mais si c'est pas toi, on le fait pas. Donc j'y vais. Mais attendez, moi j'ai jamais, je vous demande pas, c'est moi qui vous ai demandé de faire un portrait de moi. J'ai téléphoné en 89. Ça c'est une autre question, et je vais vous y répondre. Oui, je pense que, comment vous dire, je ne fais pas prendre de risques à d'autres que par moi-même. Et quand il y a des actions risquées à reporter à son tiers, j'y suis. Elle fait ça, oui, tout simplement, ça s'appelle de la morale. Je n'oserais pas le faire. Écoutez, je ne sais pas vous dire. On s'est fait expulser de Chine, je n'aurais pas imaginé envoyer des gens de reporter à son tiers sans y être. Enfin, je ne l'aurais pas fait. Mais je trouverais ça dégueulasse, tout simplement. Mais attendez, il n'y a pas que moi. Dans les opérations à Olympie, je n'étais pas seul. Tout ce qu'on a fait à Paris, je n'étais jamais seul. Il y avait des gens et tout. Mais j'y suis, parce que je pense que c'est le minimum. Je n'imaginerais même pas envoyer quelqu'un d'autre. Oui. Et alors, je suis le patron de Reporters Frontières. Ça va de soi. Je crois que j'écoute plus les gens que personne n'écoute. Mais je décide. Non, nous ne décidons pas en Assemblée Générale et on vote, mais c'est une vision archaïque des ONG. Vous vouliez que, tout à l'heure, vous me parliez de Ronnie Broman. Vous savez comment il dirigeait Médecins Sans Frontières? Vous croyez que tout le monde décidait à Médecins Sans Frontières? Bien sûr que non, et il avait raison, et ça a été un superbe patron de Médecins Sans Frontières.